civile qui yo même dans cadre un mouvement initiative qui était campé par pasteur Macorel Zidor qui dirige l'église piscine de Bethesda qui même depuis avant t'a annoncé étapement clairement dit que yo pral déloger de groupe civil armé qui occupait Canaran et voilà que samedi nous t'en sacrivé civil armé ça yo même yo fait en pile dégâts gars gamon ou le canage gamon qui dit le massacre gamon qui bat autant de adjectifs que yo bali ou même monsieur Renoir qui première réaction sous ça arrivé. Bon, c'est une grande souffrance, et Blaise, pour nous, ça qui passe. À la fois, limite en colère contre le monde qui est responsable et crime abominable, ça qui fait. Mais en même temps, tout, il faut réfléchir en pile sur ça, les cruautés, barbarie que jeune ça, qui vient d'amener, qui en gagne, et en même temps, tout, sur irresponsabilité, cynisme. Autorité yo qui pas réagi jusqu'à présent. Donc nous pas gen mot pour nous qualifier ça crise là. Carnage, massacre, génocide, tout ça carré li, boucherie parce que gen des images qui vraiment ba moun ka tourné lor gade yo. Et nous mandé nous qui côté dans privé dans pays ça avec type de crime ça au cap commettre devant j'ai autorité. C'est pour la première fois. Depuis que moi-même, quand j'ai connaissance en tant que monde qui a vu dans la société haïtienne, comme journaliste qui a traité l'information, ensuite comme homme politique, moi, ouais, pays noir, n'a état que lié, je ne j'ai dit, avec des crimes qui a commettre comme ça là-dedans, avec des bandits qui a pris la capitale là, avec des autorités qui indifférents par rapport à ça qui a passé là. Donc, nous sommes mots pour nous qualifier ça qui a passé là, ils mettaient nous en colère, et tout simplement, ils m'ont dit nous, en tant qu'haïtien. Pour nous faire toute façon que nous capables pour nous mettre tête nous ensemble pour nous si na déraciner type de méchanceté ça dans pays d'Haïti pour nous cap construire un autre pays qui offre opportunité à tout le monde pour vivre en paix pour vivre en harmonie dans la fraternité. Là gien peu l'acteur qui dit que si vraiment je dis ça crivé dans samedi à dans Canaran si t'es bon l'état t'es responsable vraiment soit CSPN ou bien la police c'est pas tap yon acteur ou bien yon leader que qui t'a capable dit li la prend de engagement pour le bataille et coin de civil armé qui occupé un espace pendant plusieurs années. Est-ce que M. Renoir dit même parole ça tout? Parce que pour t'as dit que si l'État a fait travail, ce n'est pas ta population, ce n'est pas ta pasteur Marco avec des fidèles qui t'a dit que t'as délogé de civil armé. Oui, c'est ça que je dis qu'il y a des responsabilités pour nous établir dans ce qui est passé là. Pour nous, qui est-ce qui cause bagaille ça arriver côté de Rivière? Il y a des responsabilités partagées sans doute, mais nous pas qu'à reprocher et moun qui pensait dans tête yo. Oui, c'est vrai, yo naïf. Yo naïf pour leur penser que avec main ou comme ça ou braler ou bral faire face à des bandits qui sans foi ni loi. Et qu'on a réussi à faire ça. Mais en même temps tout faut regarder qui est-ce qui a une responsabilité première là, c'est autorité yo. Qui est-ce qui charge pour établir sécurité dans le pays? C'est autorité yo. Et c'est parce que autorité yo, monde qui en place là yo, que ce soit monde qui ministre de la justice, monde qui ministre de l'intérieur, premier ministre ou chef de la police. Parce que yo pas fait travail yo qui fait que on pasteur dans toute ça me t'a les bonnes foi que li gagne et avec la foi li gagne comme boussole li dit la mener des fidèles aller avec lui avec main nu yo connaît ou pral faire face à des bandits qui baille démonstration déjà qui qualité cruauté qui qualité crime yo capable commettre et yo déjà habitué commettre li déjà. Il est clair qu'il y a des responsabilités à établir. Nous pas cap dédouaner totalement pasteur Marco Tonon lui-même parce que premier monde qui prend mon mené ou aléa et c'est li gon responsabilité. Mais cependant, c'est par sensibilité pour peuple lia, pour peuple chrétien lia, pour fidèle lio, li penser que yo pas ka continuer vivre dans harcèlement ça que a vu là qui fait les dire en alfel. Parce que n'a aucun pays sérieux côté gain l'état. L'État pas capable mettre quitter monde qui civil prend devant pour lui-même, il pas là pour faire travail. C'est l'État devant civil. Et la caillou, bon fait travail moi. La police pas rien pour demander population à accompagner, ni pour population devant pour police derrière, ni pour police devant population derrière. Pas rien bagarre comme ça. C'est la police qui gagne pour mission de protéger et servir qui doit faire travail. Si la police pas faire travail là, nous devons questionner monde qui doit bailler la police. Deuxième réflexion.
c'est que bagaille qu'elle fait là, c'est pour bagaille qui fait et n'ta capable dire dans fait noir, c'est gros la journée que le fait. Tout le monde tendait dans radio, il y a bay progression foule là qui a monté. Là encore, côté ministre justice là côté ministre intérieur côté premier ministre côté chef de la police là pour te passer l'autre campé foule ça, pas quitter l'aller. C'est un deuxième niveau de responsabilité pour nous dire que vraiment l'État n'existe pas aujourd'hui. Pays d'Haïti, pas de monde dans tête qui a dirigé, si vous quittez un tel massacre fait sur une population civile, qui peut dire à la population avec naïveté, avec la foi que les gagne, il pensait que était capable de faire travail, que l'autorité qui touche, qui a moyen, qui a entraînement, qui a équipement dans mais il pas fait, il a quitté la population. Et enfin, m'a dit un dernier mot sur lui. Oui, me demande ministre justice pour le démissionner, mais encore que il faut que moun nan gen honte, que le gen honneur vraiment pour le senti que là il pas gen place encore. Mais Marco, et pardon, m'a dit pasteur Marco, m'a pas parlé de pasteur Marco, mais on a qui t'en fait ça après. Mais Blaise, ouais. Le gars du premier ministre Ariel Henry qui 72 heures après pas fait une déclaration sur bagaille ça. Ou mandé au qui côté me braler. Est-ce que vraiment il y a autorité dans tête pays là? Premier ministre seul bagaille qui intéresse il que lui-même li gen sécurité personnelle li, que lui-même li gen machine blindée la poule avec ministre yo, mais le reste de la population li pas occupé de lui-même, li pas jamais dit yon tweet, yon déclaration, yon intervention publique pour li condamner sa crête là, nous penser que ça n'est que ça pas digne pour diriger pays d'Haïti. Et là encore quelqu'un qui dit monsieur Renoir que là il ça pas étonné parce que c'est pas la première fois que PM Ariel Henry a affiché des comportements sinistres ça yo. Ah, tout à fait. Moun ki dit ça, ou gen raison, oui. Moi-même, tout m'kwè ça. Parce que, en pile fois, et d'ailleurs, sou bagay Matisse semble te dit ça, mais dit premier ministre, pas jamais fait aucune déclaration. Tandis que l'autre jour, annonce une tempête qui pral passer, li courir prend radio, à costume sur lui, et li fait déclaration, li dit que li pral bay abri à moun. Mais moun ka fou fè là, ou ki nan la ou yo, babay ou abri. Moun ka fou fè là, c'est dans salle de classe, y a l'entrée. Dans toute promiscuité gain sans manger sans rien pas aucun gouvernement qui dit faire rien pour eux donc son cynisme caractéristique que ça gagne moi penser que ils sont psychopathes quelque part il faut que moun kap soutenir moun kap travailler avec lui désolidariser de lui-même tant qu'on a lancé appel tout la communauté internationale kap soutenir là il va kap soutenir un monde qui gagne que ça ou bien qui pas gagne que du tout côté population a mourir j'en a mourir là et que même yo prend pause que kap soutenir ça lié tolérable. Tu as parlé que par rapport avec ça qui a passé là, c'est pour même l'éclair, l'État, pas bon, l'État li permanent, mais on dit dirigeant, soi-disant dirigeant qui l'a yo, et si que y a dirigé, et si y a dit que y a dirigé, ça qui a passé là, ou pour même, y a pas dirigé rien, et dans le cas ça, M. Renoir, ça qui a dû faire bon côté bas, c'est démissionner en bloc ou bien c'est continuer à mener bak payage à mener là? Ah non, pas de monde qui a accepté, toléré ou bien abdi. Peut-être que. C'est une situation qui est imposée là toute une population que c'est moun sa ok là mais pas que moun kap encourager moun sa ok continuer était là l'état permanent c'est dans structure li c'est dans institution qui là ou qui en permanence qui doit renouveler sans que pas gagner vide là d'ailleurs mais Blaise faut constater avec moi que nous avons une situation de non existence de l'état aujourd'hui dans le pays d'Haïti ou pas gagner parlement ou pas gagner présidence ou pas gagner un système judiciaire là qui comprend vraiment ou bien tout simplement des mondes qui légitimes, qui est constitutionnel, qui là que qui impose tête yo à PIA et qui pas faire rien pour lui-même. Donc l'état s'il présent, faut ta manifester présence li, dans premier bagage yo mandé li assurer sécurité yon population. Mais côté où est l'état présent? Même bral dou, dans bagage qui pipiti dans PIA l'état pas présent non. Dans service circulation automobile la Port-au-Prince l'état pas présent. Qui côté où est l'état présent dans la circulation automobile, pas de lumière signalisation, pas de signalisation dans la route là avec peinture, pas de circulation avec police dans la rue. C'est un pays qui l'a sans l'état. Il y a des monde qui dans fonction publique là yo, mais yo pas représenter l'état dans sa l'état gagne comme mission pour lui protéger population li, soit dans sécurité, soit dans domaine santé, soit dans domaine logement, soit dans domaine toute qualité. Nous pas gagne l'état journée jodi là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous reconstituer l'état il y a un paquet de chemin pour nous parcourir avant d'arriver mettons l'état qui a sens de responsabilité et qui gagne ça me d'accabrelé capacité de gérer une nation et pendant que la mettez relations sociales en harmonie la mettez
possibilité pour moun avec moun capable réconcilier pour vivre ensemble sur ce territoire pendant que l'État ça va faire preuve de transparence dans gestion l'argent public que le gen la men la pour pas de corruption pendant que l'État va démarquer de groupe armé que lui montrer que l'a toléré la journée aujourd'hui là c'est ça nous besoin comme l'État lorsque le peuple haïtien a choisi des moun qui gen responsabilité qui gen crédibilité moralité et honnêteté pour mettre en place dans l'institution qui doit gérer l'État pour que l'État vraiment, même si c'est l'État qui va gagner en pile comme, mais l'État montrer qu'il y a respect pour citoyens et citoyennes, il y a sensibilité pour eux, et l'État a une vision de la société que nous voulons conduire dans le chemin pour que Vili améliore chaque jour jusqu'à ce qu'elle arrive dans un niveau de bien-être assez satisfaisant. Est-ce que là, M. Renouam, qui a dit que c'est une violation totale capitale de tout droit que les citoyens haïtiens doivent jouir et qui, je dis, là, ils ne pas respecter? Écoutez, c'est là que je vais retourner sur l'affaire de démission. Okay. Mais personne n'a besoin de démission, personne n'a pour que y ait des gens qui disent ça, c'est responsabilité, pas moi démissionner. Chef de la police a été de côté responsabilité, c'est dès que la police. Pas fait travail de sécurité li, et puis ses citoyens pour le faire, pour continuer. Le ministre de l'Intérieur a été doué de démissionner, mais il se trouve que le ministre de l'Intérieur, c'est le premier ministre en tout. Ah ouais. Parce que la sûreté intérieure de l'État, c'est le même ministère de l'Intérieur que lié. OK? Et de la justice, pour déterminer les responsabilités de l'enseignement de bagaille. Mais écoutez, nous pas dans situation ça du tout. Donc, écoutez, si la population n'a pas qu'à compter sur le monde, qui a touché l'argent taxio impôt yo et qui offrit tête yo même sécurité nécessaire pour vivre mais yo pas offrit population sécurité population pas pour le compter sur personne monde dans monde ça du tout d'ailleurs si l'état te gain respecter tête li si l'état te connait responsabilité li c'est pas mandé de demander un pays étranger voyer soldat pour venir sécuriser pour moi alors que il y a suffisamment de monde là qui t'a capable faire travail là il suffit tout simplement que gen volonté politique et puis gagner moyen pour mettre à disposition force de sécurité nous yo on voulait parler de la police avec l'armée a et puis sécurité problème n'a pas résoudre mais ça nous constater c'est une population qui abandonnée à lui-même qui pas capable compter sur personne monde qui dans structure étatique là qui vient porter le secours dans quelques jours ça va faire moi je voulais que plus clair et monsieur Renoir même j'ai que moi quelques amis internet besoin plus clair par rapport avec question ça ou dit c'est vrai mais j'ai besoin clair sur ça pouvoir ça qu'il a on dit avec équipe qu'il a si c'est volonté ou pas gagner pour résoudre ça qu'il a comme insécurité alors pas de volonté politique aujourd'hui dit d'ailleurs ou pas gagner c'est capacité en termes de moyens matériels techniques ou pas gagner ou dis-moi est-ce que ça gagne là comme situation hein, li bénéfique pour vous. Allô? Moi pense que ah, oui. OK, yeah. Moi pense que c'est un peu de toute sorte là. Mais yon point là dans qui est important pour moi, c'est ça qui fait non société moderne. Non. Oui, une société moderne, un pays, un état moderne, nous pas doit quitter vide type de vide politique ça yo rivé. Parce que constitution en prévoit ça que vous faites dans pays là lorsque un président absent pour raison pour un autre. Mais l'on quitte le tombe dans une sorte de transition. Au côté monde qui est sous pouvoir, pas de rien à voir avec la population. Il va pas faire campagne électorale. Il va pas élu là, qui n'a rien. Son monde qui sont fonction, il va l'occuper. Donc, il va gagner aucune sensibilité pour les Haïtiens et les Haïtiennes, ni tout le bagage compte pour le rendre à l'opinion publique là. Parce que l'on monde passe dans l'élection, la veille opinion pour dire, bon, fais ça pour moi. Est-ce que mon yo d'accord avec moi? Parce que mon cas retourne encore dans l'élection pour yo ka voter le man vie retourne encore. Moun ki la yo pa gen aucun konsa bagay a penser à opinion publique ki sa peuple a penser de moi-même c'est des moun ki la qui pas pour le malheur d'Haïti qui dans position ça et quand comme te dit li et son en station moi dit bon phrase ironique que moun yo toujours a dit ou connaît Haïti gen chance pour gen malchance parce que la mort Jovenel Moïse, qui c'est la mort condamnable, regrettable, etc., t'es doué ou t'es capable servir de occasion pour réconcilier Haïtiens entre eux-mêmes. C'est une occasion pour refaire institution, mettre en place, bah, plus force pour que nous pas tomber dans un type de dérive, ça, ou encore. Malheureusement, nous gagnons 2 ans là, plus de 2 ans. C'est 2 années de perdu.
pas gen an yen que gouvernement ça réalisé qui montre que la pensée à l'avenir, que la pensée à demain. Seul bagay docteur Ariel Henry fait avec l'équipe gouvernementale l'IA, c'est que li confortable dans place l'IA, donc la chercher rester le plus longtemps possible. Pour même son deux ans catastrophique, bilan zéro pendant 25 mois ça. Non mais son bilan catastrophique, bah quoi personne va chercher tirer un bilan là pour capable à dire que mais ça le gouvernement ça a réalisé parce que premier bagage là c'est sécurité pas gagné. Deuxième bagage là c'est misère son population qui est en misère chaque jour. Plus corruption toujours gagne dans société a pas grand ken justice qui baille dans société a il y a plus division dans pays d'Haïti jounen jodi a la et société a plus divisée que possible donc qui ça pas grand bilan pour moun réjouir de lui même ni pour envie continuer rester sous pouvoir là jounen jodi a la au contraire moi penser que société a dû tirer un bilan pour le dire moi pas tomber dans type de entrave ça ou encore moi besoin établir la stabilité dans pays moins lorsque gagne élection et même bra faire des choix que moi pas mettre sous pouvoir ni des sénateurs ni des députés ni président qui a collaboré avec gang qui a coopéré avec gang mais plutôt des monde qui pas danser coller du tout avec monde qui ni dans corruption ni dans trafic zab ni dans trafic drogue ni dans crime ça yo pour que société noire voyez on l'autre modèle ba jeunesse là parce que c'est jeunesse qui va le payer conséquence ça qui a passé à là et si nous va prendre bien avec société ça jeune qui va venir là qui va regarder type de crime ça qui a fait qui a circulé sur réseaux sociaux en veux-tu en voilà il y aura la plus criminel plus cynique encore que ça n'a plus jeunesse aujourd'hui là alors pour ça pas arriver pour société à réveiller pour que pays est capable pour une nouvelle direction. Bon, je regarde ça avec vous, monsieur Clarence Renoir, dirigeant Unis Haïti, j'en dis tout à l'heure, c'est un candidat à la présidence dans la dernière élection, dirigeant de parti politique et qui est très présent sur scène comme acteur politique et qui toujours prend des positions fermes et claires sur sa labdio. Et récemment, sorti 20 ou 23 d'août, tu as une visite délégation kenyana, bah, m'fond de retourner sur ça. Ou tu as une attente de délégation ça qui t'a venu en Haïti, que Gomba qui t'a sorti à clair, puisque demain, le gouvernement en place c'était demande aux forces d'intervention et multinationales et d'intervention militaire. Alors que nous sommes capables, dans le journal Miami Herald, que au lieu d'une force d'intervention militaire, soit force, on dit, de protection statique pour capable protéger l'infrastructure et gouvernementale. Mais en même temps, tout que, et est-ce que là, Clarence Renoir, lui-même, comme dirigeant de parti politique, est-ce que vous clairement opposé avec Sandrine Lé une force étrangère en un pays? Et si vous opposez, raison. Et Blaise, par rapport à ce qui a passé dans le pays, je vous dis, là, il faut qu'on réfléchisse bien pour dire, est-ce qu'on a traité la population abandonnée? L'État a abandonné déjà. Mm-hmm. L'État a abandonné. La police a montré qu'il n'y a pas sous ça, ou bien il n'y a pas de moyens, il n'y a pas motivé, il n'y a pas déterminé, etc. Pas de volonté politique. Maintenant, si il y a des pays étrangers qui disent que la vie est sécurité, pas sécurité bâtiment dans le pays, mais sécurité pour nous capables de commencer à vivre, pour nous aller à l'école, au business qu'a fait pour mon gars circuler dans nord dans sud sans problème. Mm-hmm. Mais même si on monde pas aimé ouais bot étranger vient dans pays ou bon pas brésilien ou d'accord ouais si c'est vrai le cas baï sécurité mais nous même nous poser des conditions nos disciples vini oui il faut une baï sécurité là pour courir des gangs là yo à faire de baï sécurité à bâtiment public là ça pas intéressé nous et puis à attaquer gang là puis retirer yo et en même temps à faire ça faut que baï entraînement à police nationale avec l'armée baï équipement baï matériel pour leur force internationale ça aller pour force nationale yo capable prendre la relève pour assurer sécurité parce que Blaise nous pas de même à poser question ça nous son pays gain 200 ans d'indépendance Kenya son pays gain 60 ans à peu près d'indépendance qui ont fait le cadeau nous même nous boumer pour prendre indépendance nous après plus que 200 ans nous pas capable une police qui relait une police nous pas capable l'armée qui relait l'armée pour gain équipement pour gain matériel pour capable sécurité comme ça doit nous obliger à demander la Jamaïque voyer 150 Bahamas voyer 150 bah nous pour capable constituer une force internationale c'est un honte lié mais ou pas qu'à faire un service collé dans situation que ni là nous avec nous la nécessité peuple a mouri regardez ça qui passait comme carnage qui passait dans Canaan regardez ça qui passait dans Kafoufer côté population il y a boulé caï il y a pour quitter caï c'est dans la rue l'abdomi donc si on force à venir oui nous d'accord pour venir en même temps nous poser des conditions conditions à yo pour que effectivement yo préparer force nous yo pour que nous pas prendre même coup nous te prendre MINUSTAH qui fait presque 15 ans dans pays là MINUSTAH virer de l'aller. Après ça, nous tombons dans le même problème. Donc, fois ça, si vous avez 200 millions, 400 millions de dollars, vous allez investir par
moi dans les forces internationales pour prendre moitié dans l'agence ça yo investir pour bailler police ta plus commissariat bailler police ta plus véhicule blindé bailler hélicoptère bailler drone bailler entraînement technique et bailler équipement pour protéger tête pour capable à faire travail là les forces internationales là. Oui, nous t'ai dit avant, est-ce que tu es en attente de délégation kenyan? Non, est-ce que ou même comme dirigeant de parti, est-ce que tu es pas ensemble avec nous avec ou même personne? Non, nous pas rencontré, il m'a pas rencontré personne dans la société civile là ni dans parti politique yo. Yo uniquement contacté de rencontrer la police, la gouvernement avec ambassadeur et communauté internationale qui en Haïti. Et son mépris grave pour cette société là parce que il y a l'autre point de vue qui était doué prendre. Moi même personnellement, m'a dit en attente de délégation ça. Parce que encore une fois, je pense que en amont, c'est l'État haïtien qui doit prendre responsabilité pour assurer la sécurité de la population. Pas oublier, nous avons 10 000 policiers au moins, nous avons 1 500 militaires. Si vous mettez l'ensemble, ça fait 11 500, 12 000 personnes. Ce n'est pas suffit pour la sécurité dans tout le pays, si vous voulez. Nous sommes d'accord avec ça. Mais vous allez chercher 1 000 personnes à l'étranger pour une bonne sécurité, c'est une blague de lier. Si nous voulons faire force pas nous en plus, moyen, nous avons demandé aux communautés internationales, vous voyez comme nous. Voyez équipement ba nous même j'ai offert pour l'Ukraine tu es capable ba nous plus équipement pour police nous en fait travail que bien pour le faire li gen matériel la mel li gen protection sous li pour le faire travail là mais malheureusement et premier ministre Ariel Henry a choisi faire appel à la communauté internationale pour voyer une force étrangère venir dans pays d'Haïti maintenant face à la situation que nous là une situation où que police nous paraît capable dire inactive paraît dans une situation même d'après ce que disent dans situation de désobéissance, de rébellion et de mépris par rapport à la population. Hein? Et bien, si on force qui est capable de retirer la population dans l'étau, dans la prise d'otage que vous mettez là, côté chaque quartier dans Port-au-Prince, c'est gang qui l'a dans le café, il fait. Et bien, je pense que nous, pas capable plus nationaliste, plus royaliste que le roi, pour nous dire nous avons besoin. Nous avons besoin de quitter le Vini. Si le capitaine fait le travail là pour nous, très bien, mais il faut nous allons limite dans le temps. Et pendant l'affaire là, il faut que la police nous lui-même prenne j'arrête pour qu'après on relève là. En plus, le monde dit que, observateur dit, et M. Renoir, il a parlé de questions de sécurité et de criminalité dans le pays d'Haïti. Je dis, hein, ou pas sans savoir que Gagné, on a dit que le vocabulaire ça qui a à peine rentré dans la bouche des Haïtiens, il y a plusieurs qui ont entré, mais je regarde au premier côté que vous parlez de, je dis, il y aurait les messieurs qui ont des amis dans le underghetto de Badi à sa patte. Mais on parle tout de Bandi à veste. C'est pour dire que Bandi à veste, ils regardent comme de monde qui eux-mêmes cap alimenter jeunes garçons ça. Et alimenter jeunes garçons ça, c'est des monde qui sortent dans différents secteurs, soit classe politique là, société civile, droits humains, classe économique là, et même des acteurs qui n'ont pouvoir, peut-être qui dans l'État. Et est-ce que je dis à vraiment pour Monsieur Renoir que le dit que Monsieur qui les amène que les Bandi à sa patio, c'est vrai ces problèmes physiques là, mais vrai problème non? C'est le monde qui a alimenté yo, qui ba aux armes, qui ba aux munitions, tout ça. Oh, certainement. Ou pas capable de juger ou ne sont pas juger l'autre. Ou pas capable de condamner ou ne sont pas condamner l'autre. Mais son problème de justice qui gagne est Blaise. Regardez dans qui ça nous y est. Nous avons une situation où ces pays étrangers, le Canada et les États-Unis, qui ont indiqué nous un tel, l'a soutenu gang. Tel ancien président, tel ancien premier ministre, tel ancien ministre, tel ancien sénateur, tel ancien député. C'est au Kafunizam à gang. Mais ce n'est pas la justice haïtienne qui fait. Et malgré yo dit ça, yo ba yo sanction internationale, pas aucune sanction nationale sur tête moun sa yo. Problème non, donc son problème d'injustice. Là, on a parlé de l'absence de l'État. Tout ça entre une absence de l'État ou bien une existence de l'État. Donc, ou pas même l'État qui est là pour faire justice à la population. Même quand un pays étranger dit, même jeune pour, oui, moun kap fait problème, kap bay problème nan yo, eh bien l'État n'a pas dit en Kenaïen. L'État n'a pas dit en Kenaïen. Donc, ou pas kap considérer gang seulement. Qui a sa patte, comme on yo dit, sans qu'on pas considérer gang qui a cravate, gang qui a palto. Parce que justement, c'est une question simple que liée. Comment on imagine que des gens qui sont dans des bidonvilles, qui ne peuvent pas même manger, même, qu'on y a ceux qui ont gros âmes, qui vendent des milliers de dollars à l'homme, avec plein de munitions, puis toujours continuer à utiliser les âmes. C'est que ont une source côté a nourri. Et tout le monde connaît que gagne un sous-tarot qui est identifié, gagne qui frappe de sanctions internationales, mais absence de la justice en Haïti et négligence, mépris de l'État fait que pas grand-rien qui fait pour que problème ça ne résout pas la justice tout. Puis a commencé et même j'ai traqué bandit, même j'ai doué traqué bandit, mais puis a traqué tout le monde qui a financé bandit. Mais ça pas fait. C'est peut-être ça nous a dit à l'heure là. Mm-hmm. Nous besoin reconstituer l'État à travers toute institution ça, que ce soit la justice, le Parlement, la présidence,
et les élites aussi d'ailleurs, font penser à ça, élite sociale, élite économique, élite intellectuelle, etc., élite politique, pour que le pays ait l'autre direction. Parce qu'il faut que nous bâtissions une vision commune de pays, pour nous dire, OK, mais Haïti, je dis, en 2023, eh bien, dans 10 ans, mais côté nous allons mener le pays. Mais qui ça nous va le faire pour mener le pays là? Mais je dis là, nous pas dans ça. Je dis, nous avons couru à droite, couru à gauche, sauf qui peut, et avec un gouvernement, malheureusement pour nous, malchance pour le pays, un gouvernement qui n'a aucun souci de demain et ni d'avenir, aucun haïtien qui n'a dans pays à aujourd'hui là. Si ça fait un pile monde à chercher qui était payé par tous les moyens. Là, est-ce que monsieur Renoir lui-même un pile monde aujourd'hui a bay position à clair sur question ça, sur question mouvement BK, alors mouvement populaire ça qui est les justice sociale populaire peuple là-bas tétien, BK peut-être que tout le monde a dit les bois calé. Est-ce que monsieur Renoir lui-même dit son mouvement que le coro mais lui mandé c'est un mouvement qui t'a structuré par côté population. Écoutez, il y a un danger là-dedans, il y a une limite là-dedans. En aller, dans le même ça passe qu'à un samedi a montré nos limites, okay. Mouvement ça. Okay. Son mouvement qui était poté un peu de peur, la caille bandio, mais l'autorité était bloquée la route, et je viens de là, bandio reprend force. Ça passe qu'à un montré que, ou pas qu'à mettre la population en devant pour dire, al déchouquer bandi, al faire bois calé sous bandi, al éliminer bandi. C'est pas travail en population ça. Travail, c'est son travail qui m'a des stratégies. Qui m'a des tactiques, qui m'a des équipements et puis stratégie, m'a dit déjà, pour arriver faire face à des gens qui ont des âmes dans les mains et qui apparemment ont des âmes dans les mains. Et la police là pour ça, la police a touché, l'armée a touché. La population a payé pour ça, pour faire travailler ça pour lui. Il n'est pas capable de payer, dans les petites taxes que l'a payé, dans les impôts locatifs que l'a payé pour le rester dans le caille. Nanti taxe a mettre sur lui pour augmenter manger pas même ta manger pour payer l'école timonia c'est là dans lieu prend pour payer police ak la mia et puis au payer gouvernement tout connia ces populations pour mettre devant et puis qui pour faire travail ça non dans aucun pays au monde il pas mettre une population civile devant souvent mettre population civile là ou relel vienne prendre entraînement vienne entrer dans la police m'a forme pendant 3 mois pendant 4 mois pendant 6 mois m'a bozam pour faire travail ça bon pas cap prendre monde avec deux mail bonne foi bonne volonté et naïveté pour faire travail là limite BK, c'est ça qui passe dans le Canada, côté vraiment bien pile monde qui mourit et blessé, son véritable carnage qui fait, mais c'est la responsabilité de l'État pour faire travail de sécurité pays. La police des commissions protéger et servir que le fait travail. Dernière question que doit aller monsieur Renoir, vraiment dernière question, c'est question pour me dire que est-ce que clairement que on l'autre transition ou bien avec on l'autre transition avec une nouvelle tête ou bien une tête bicéphale j'en toujours dire là président premier ministre ou bien que n'a pas qu'à garder toujours avec pouvoir. Écoutez. C'est temps à perdre malheureusement. Mm-hmm. Nous avons perdu 2 ans là. OK. On monte capable comprendre que un premier ministre qui là qui issu de la condition il paraît du pouvoir là tu es capable conscient de mission que t'a gagné pour t'a refaire pays là, il pas fait. Mm-hmm. Maintenant, on besoin l'autre transition, bah qu'on est-ce que nous obligé qu'on l'autre transition de 2 ans encore et avant de arriver mm-hmm. vers normalisation de la vie politique dans pays là à travers des élections etc. Mais en mitan deux questions ça yo, ou en mitan deux positions ça yo, c'est vrai que qu'on nécessite aujourd'hui là pour une nouvelle gouvernance. Mais clair, ou pas qu'à l'élection avec gouvernement ça j'en dis là, ou pas qu'à l'élection du tout avec insécurité qu'il a. Ces questions ça qui au milieu gouvernance égale sécurité. Donc, il faut que nous rétablions une forme de gouvernance qui permette que gagne sécurité dans le pays pour que sécurité soit capable de nous le plus. Pas le dire vite, non, parce que pas une précipitation. Mm-hmm. Le plus tôt, ça sera le mieux peut-être que nous faisons élection, que gagne des élus légitimes qui viennent prendre le pays pour retirer nos côtés noyés. Merci un peu, monsieur Clarence Renoir. C'est un plaisir pour que nous défendions un petit peu ensemble avec vous. Alors, moi, les petits balais, sauf que je me dis que par rapport avec, je prends quelques minutes dans le temps pour là. Et si tu as un mot de la fait pour être capable de faire une interview, ça, ça le tape, monsieur Renoir. Et puis, écoutez, c'est l'espoir de vivre et Haïti besoin d'unité pour gagner la paix. Moi, je pense que c'est là vers là pour aller. Dans l'unité, on a besoin de justice, forcément. Et il faut que nous ne pas décourager. Nous pas capable quitter pays à abandonner pour dire que pays ça pas bon tout le monde vivre donc c'est impossible à toujours que monde qui est dans pays là nous c'est 12 millions monde nouyé donc il faut que nous prenions responsabilité nous pour que nous pas quitter pays à effondrer totalement et c'est peut-être ça moi même engagé dans la politique ça c'est peut-être ça là on va entrer dans quelle équipe gouvernementale tête en bas moi dit tête moi il faut qu'il y ait des voix honnêtes crédibles qui capable parler pour que pour ne pas quitter l'espoir affaibli pour ne pas quitter l'espoir disparaître mais pour nous reconstruire une société
côté nous capables haïtiens, nous dignes après mes pays, nous, quelque chose à côté nous, pour nous, ça capable passer en dedans. Merci, merci beaucoup, Blaise. D'accord. Merci à vous, Monsieur Renoir. C'est un plaisir. D'avoir appelé Monsieur Clarence Renoir, c'est lui-même, c'est responsable parti Unir Haïti, ancien candidat à la présidence, notre dernière élection, yo, côté que lui, c'est dirigeant du parti Unir Haïti. N'a pas dit que n'a pas toujours été dans l'émission, puisque là, nous sommes gardés parti interview ça avec Monsieur Clarence Renoir. Mais laissez-moi dire que n'a pas venu avec ça, puisque pas oublier que jusqu'à présent, sa quête actualité, ce dossier est pasteur Marc Aurèle Zidol. Pasteur Marc Aurèle Zidol, qui est même, c'est tout le monde connaît son nom, pasteur Marco, qui a dirigé l'église à piscine de Bethesda. Mais nous connaissons, il était clair que pasteur Marco, lui-même, a annoncé, dans une séance de prière, jeune service, que je suis capable de dire concernant l'église d'Ion. Quelques jours avant, il a annoncé que samedi, qui tape 26 d'août, là, yo tapra le marché. Yo tapra le marché. Li avec fidèle l'église dit qui c'est piscine de Bethesda. Yo pral marché et yo pral déloger. Yo pral déchouquer civil armé qui tabli corps dans Canara. Et l'autre dit civil armé qui tabli corps dans Canara ou est exactement Jeff ainsi connu Jeff Gaulois ainsi connu. J'ai que les têtes liées. Il était clair que environ 11h 10h midi samedi, mouvement était démarré. Et pasteur Marco, il était dit tête droite canard. Et Fidelio de l'autre citoyen qui eux même té rejoindre sa cap fête là, il était dit tête yo, il yo bouqué. Yo a bout, faut il a le décitirer. Faut qu'il a le déloger. Civil armé dans Canara. OK? Mais voilà que mouvement a fait, on a marché, on a cherché bandi, yo pral enfièv bandi, de chaleur, pression, tension, la caille moun yo, c'est tête droite, yo pral déchouquer Jeff à tout bandi armé yo. Et pasteur Marco, tu es devant avec toute équipe responsable dirigeant l'église li, hein, y a avancé pour pi devant. Journaliste présent, un pays journaliste média en ligne et médias traditionnels étaient présents, ils ont suivi, ils ont informé en temps réel ce qui a passé. Et pasteur Marco, passé dans pile fief, en pile base, en pile côté que bandits ont été logés, et puis il y a des bandits, si je cite pasteur Marco, si je répète, ben Dieu l'a entendu que y a privé foul moun yo a privé sou yo yo jeté quoi yo. Est-ce que c'est vrai pas vrai? Pasteur Marco m'a cité. Mais voilà que rivé toujours dans zone en dans Canaran, j'entends des nouvelles là et j'ai nous-mêmes ici là dans mes cette nouvelle. Nous t'ai partagé et nous t'ai porté ba nous. Nous t'ai ba nous information ça, il était clair que bandi civil armé Canaran yo yo tapral l'ouvri coup de balle sou moun sa yo. Mes amis, jusqu'à présent, pour me sincère et honnête avec nous, jusqu'à présent, pas gen aucun moun qui capable bay aucun chiffre exact sur quantité moun qui mouri en bas bal bandi Jeff Canal. Non, pas gen aucun moun qui capable bay un chiffre exact de moun qui mouri. Parce que à côté de vidéo qui te prend la que moun capable ouais, mais n'apprend que gen de l'autre vidéo côté que civil armé sa yo yo mette di fe sou moun tout vivant et c'est tout yo fouillé pour enterrer moun sa yo. Ah oui, c'est tout yo fouillé pour enterrer moun sa yo. En bien, ça veut dire, je dis là, ou pas qu'il a dit est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est tant moun qui mourit. Sans compter, tout ça que bandit te prend, qui pas mourit, qui te nommé comme otage, yo libéré yo. Et nous, avons des vidéos qui fait, yo libéré moun sa yo. Ok? Yo libéré moun sa yo. OK.
Et voilà que en plus mon t'a demandé côté pasteur Marco passé. Est-ce que pasteur Marco prend balle? Est-ce que pasteur Marco mouri? En pile parole t'a dit ce causé ça. Mais finalement lundi 28 août 2023 pasteur Marco sorti dans silence li. Il parlait sur antenne Radio Mega avec collaborateur nous Romanes samedi ensemble avec professeur Janin Leonidas. Il m'a vini exactement. M'a dit nous qui ça pasteur Marco Zido lui-même l'a dit. Non micro Romanes samedi. Pasteur Marco Rel Zidor, dit pasteur Marco. Monsieur fait connait que 95% fidèle Lio. Pas de percé. Ça lui dit balle pas rivé sous yo. Balle pas rivé toucher yo. Et moun ki mouri yo, c'est ça qui courit aller cacher en dan kay. C'est ça qui mouri kal caché en dan kay. Qui donc à 95% c'est pas fidèle Lio parce que fidèle Lio pas de PC. Et n'a songe que notre vidéo avant même bon on dit les pasteurs Marco pral déplacer en dedans l'église là. Il t'a dit avec fidèle Lio passer men nou à terre. Passer dans visage nous. Bon baron né qui dégré ça est mais vidéo publique que nous même nous t'étendé et regardé. Mais il est clair que pasteur Marco sorti dans silence li lundi 28 août 2023 côté li parler sur antenne Radio Mega. Sous sac passé et puis fait qu'on est 95% fidèle qui était ak Lio pas de PC. Malgré bal bandi yo t'a vidé sous folio et puis ajouter pour dire moun qui mouri yo c'est moun qui t'a perdu la foi dans courri et cal caché en dan kay li t'a estimé qui c'est même kay bandi yo 95% dans fidèle moun yo ka touche a tombé sur yo pa gen moun qui pèse non parole dixit Pasteur Marco. Moun ki mouri yo, c'est moun ki rentre caché dans kay. Mwen pense, si moun lan kouri, li rentre ale caché, c'est dans kay bandi yo. Même si moun lan te perdi la foi, s'il te kouri fè même côté ak foule la, li patap mouri. C'est déclaration, Pasteur Marco Rel Zidor, dit Chérubin Marco. Il fait son antenne Radio Mega. Et pasteur Marco allait plus loin pour le dire. Il fait qu'on est. C'est ça, ça, vraiment d'accord avec elle. À 100%. Si l'État pays, l'État haïtien, te fait travail, ce n'est pas un simple citoyen étant cool qui t'a rentré dans la bataille pour aller à le chasser, à le courir des bandits. Ka bay problème. Si moi t'es conscient, si m'te mouri en l'air, moi t'ap di, moi mouri pour pays. Et concernant nouvelle qui t'es fait quoi? Li prend balle pendant action bandi yo. Pasteur Marco fait qu'on est, li pa prend balle. Mais plutôt, c'est blessé le blessé, par un bout fait, nèg yo travail. Et puis t'es voué sous lit. Bon, ça, pasteur Marco dit à lui qu'on est, ça lui dit, voilà, travaille dans qui sens, ma qu'on est. Pasteur Marco fait qu'on est. L'ité écrit déjà la police, là. France LB. Paul Zil, lui-même avec l'église, l'a dirigé, t'es prêt pour accompagner la police, là, contre Zach Bandi. Li fait qu'on est, malgré l'idée acquise réception lettre ça,